Marqué, c'est sûrement Busta Rhymes. Busta Rhymes, Got Your Heart in Shake. C'est sorti il y a super longtemps, mais c'était, je trouvais que c'était déjà en avance. La gestuelle qui était déjà dingue à l'époque, tu vois, c'était un truc du genre. C'est vraiment la gestuelle qui m'avait le plus. Les décors, les mecs, ils étaient allés super loin au niveau de sa coupe de cheveux, la peinture qu'ils avaient fluorescente, c'était chaud. C'était super chaud et c'est ça qui... c'est le truc qu'on a envie de renvoyer, je pense. Je pense à un clip de New York 10 et Lab Dance. Je suis tombé dessus quand je pense avoir 10-11 ans sur MTV. C'est un truc, quand t'es jeune comme ça, tu vois, ça... Ça m'a un peu marqué, tu vois, tous ces bails de fesses, tout ça. Donc, jusqu'à maintenant, je trouve qu'il a pas vieilli le clip, que c'est un truc, et même le morceau. Donc, Le O5, Prince Toti, Petit Prince du Hood. Le clip qui m'a le plus marqué, This is le clip Moïse. Ouais, parce que le clip Moïse, voilà, il est resté dans son thème. Tout le clip, il était axé, tu vois, on dirait il est au milieu de la mer Rouge. C'est le décor qui bouge autour de lui. C'est le clip que, voilà, chapeau, This is, patate, le clip Moïse, lourd. Plus le rap est orphelin, il m'entendait plus. Il m'entendait plus. Avec le micro en l'air, j'écarte la mer. Alors le clip qui m'a le plus marqué, je crois bien que c'est Practice de Drake. Le morceau est smooth et pendant tout le clip, en gros, dans une chambre, il y a une fille qui déhanche le plus beau fessier que j'ai jamais vu de ma vie. Et on voit Drake qui, à la fin du clip, marquant et agréable à rien. From me, from me, from me, from me.